Nous sommes au Kenya, sur la terre des lions. Ces félins, qui pèsent en moyenne 130 kg et mesurent 1m1 au garrot, sont capables d'atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h. Leurs griffes aiguisées comme des rasoirs et leurs mâchoires puissantes en font des prédateurs redoutables. Et voici la mangouste d'Égypte, notre deuxième adversaire. Du haut de ses 18 cm, ce petit carnivore pèse en général moins de 5 kg. Mais la mangouste est un animal extrêmement territorial. L'hypothèse la plus probable, c'est que la mangouste défend sa portée. Outre son cri perçant, elle sécrète au niveau de ses glandes anales une substance à l'odeur très désagréable. Et chacun le sait, la meilleure stratégie de défense, c'est l'attaque. Les lions ne prennent pas la menace au sérieux. Notez ces taches au niveau des pattes. Elles nous indiquent que ce sont de jeunes adultes, et à cet âge, elles sont plutôt joueuses. Mais décontenancés par cette nouvelle offensive, les lions finissent par se désintéresser. La mangouste est vainqueur.